Alors, Rennes vue visite, ok. 28, c'est une hybride 2019. Ah merde, un cadre de miel. Full. Où est-ce qu'il va aller lui? Bah écoute, il va aller là. Il va aller là. Ça lui fera deux belles rives de miel. De toute façon, j'ai plus de caisse pour stocker. Hein, donc là maintenant, à un moment. Quelque chose de ces cadres de miel, hein. Tu vois, la nard, t'as des cadres de miel comme ça là dans une ruche bien fermée, ça branche pas, hein. J'ai viré ça quand, en février ou mars, t'as pas de faustène qui attaque, hein. La cellule était où, je sais plus, par sécurité. Je vais le foutre après la partoche, hein. Si elles y vont, elles y vont, mais... Si elles n'en ont pas besoin, elles n'iront pas. Voilà. L'hivernage mis à l'extérieur, c'est très très bien, hein, je trouve, ici. Hein. Je pourrais pas te dire... j'essaierai quand même, hein, dans le Var, mais je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a, entre guillemets, lancé la molle. Là. Désolé, hein, camarade, mais couvain, partition et réserve de miel... Franchement, ça l'a fait top, ça a rien bouffé. Alors, j'avais pas trop de recul sur ce rocher non plus, c'était mon premier hiver, hein, mais voilà quoi. Entrez un peu dans votre caisse là. Allez hop, débrouillez-vous. On continue. Où il est, Titi là? Ah, il est toujours là, hein, cuve. Hein. Cuve gros. Ah ouais, cuve. Hein. Cuve complet. Hein. Donc suivante, elle a eu sa hausse 23 mars, mais bon, hein, certainement des tonnes de haut et de bas, hein, là-dedans. Putain, elle est en équilibre. Allez, on se la regarde quand même, hein, histoire de se péter le moral. Dès qu'il y a un petit air avec ces trucs aérés, là, tu ressens toute la... Je vais pas te dire la fraîcheur, mais tu sens moins un peu d'air, quoi. Tu n'es pas étouffé. Pas mal, hein. Il n'y a que le harnais là, qui devient pénible avec la chaleur, hein. J'avais dit, hein, déjà, hein, mais... Ah oui, c'est la hausse qui tient, hein, pour l'opération du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'elles m'ont fait, elles? Oh, bah écoute, ça reperculerait presque. Qu'est-ce qu'on fait? On a mis une deuxième abattière ou quoi? Voir. Bon, il y a ça encore. Pas s'enflammer. Est-ce que la semaine prochaine j'ai beaucoup de temps ou pas? Pas sûr. Hein. Ouais, mais il y a de quoi tenir. Hein. Je crois pas qu'il y ait des mielés de malades mentaux. Hein. Ça mielle régulièrement, mais pas non plus. Enfin, pour l'instant, hein, sur la première année ici. Des mielés de fou furieux, quoi. Citronnier, c'est pas le colza. Hein. D'ailleurs, demain, on ira voir sur le colza un peu ce qui se passe, parce que franchement, ça va pas rentrer des tonnes, hein, mais je t'ai dit, il a plu toute la semaine dernière. Hein. Et après, Mistral, c'est encore pire, je crois, que le froid. Hein. Mistral à la con, là. Ah, c'est lourd. Mistral à la con qui refroidit tout, là. Purée. Voilà, je râle alors qu'il y a un peu de miel dans les os. Hein. Tu veux dire, il est gonflé, l'enfoiré. Ouais, enfin, c'est quand même une année de merde. Hein. Un menton, les gars. Hein. Devrait avoir déjà largement posé la deuxième. Hein. Enfin, c'est comme ça. Allez. 2019, devrait faire des cellules, hein. Hybride. C'est sûr que Rocher du Lac, ça lève pas facilement, hein, donc forcément, on va faire des cellules. Hein. Est-ce qu'il y a un lien là entre le fait de faire des cellules et de bien élever? Je vais finir par le croire. Hein. C'est chiant parce qu'il y a beaucoup d'herbes.
On va poser ça comme ça. J'ai du couvain, hein, donc je remettrai en 9 ou en 10. Hein. Là, il fait pas froid. Hein. Je t'ai pas dit la température, mais on doit être à 22, 23 tranquille. Et la nuit, on descend à 12, 13. Elle veut pas de mal, hein. Elle tombe pas dans les mal. Hein. Si, un petit peu, mais alors vraiment pas beaucoup. Hein. J'aime bien, elle a une belle banane en haut. Pas de la ponte au carré, mais pas super fan non plus. Hein. Ponte au carré, tu retires ta hausse, 3 jours de pluie, elle meurt, hein, ta colonie, c'est pas évident. Hein. C'est très bien les grosses colonies qui poussent à fond, là, mais pour les petits apiculteurs de loisirs que nous sommes, c'est pas l'idéal. Hein. Petite colonie pépère hein, qui fait sa petite banane. Je crois que celle-là, elle la fait pas trop. Hein. C'est quand même bien. Hein. Allez, poussez-vous les baies. Là. Elle s'énerve, ça y est. Ça y est, tu vas ramasser dans ta caméra. Là. Oh, je traîne, écoute. Demain, c'est férié, j'ai fini la journée. Toujours à la bourre sur les ruchers, là. Pression de bosser par moment, alors que c'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir de visiter ces colonies. Hein. Quand il y a le temps, qu'il n'y a pas de. Même si des fois elle te défonce un peu, c'est pas grave. Super ambiance, hein, rucher école, hein, les gars. Franchement, bravo à vous, hein, à toutes, à tous, là. Il y a toujours un qui amène une pizza, un gâteau, un kill de rouge. C'est super agréable. Hein. Vraiment. Hein. J'espère que l'équipe va s'agrandir et qu'on sera de plus en plus nombreux. Après, bien évidemment, il y aura une question de place. Et de... Bon, on a de quoi débroussailler. Hein. Les colonies vont arriver en plus parce que là c'est vrai que 4 on a fait un petit essaim, on a tiré un essaim comme on dit dans le jargon, on a tiré un essaim donc ça va être élevage dimanche prochain. Alors pareil sur le fonctionnement, il y a deux groupes là à cause des mesures sanitaires, hein, voilà, on n'est pas dehors la loi. Hein, mais... Dès le mois prochain, on passe à un groupe. Hein. Un groupe, ça fera une vingtaine de personnes. Ça va être chaud, hein. Il va falloir de la rigueur, hein, les gars. Hein. Parce que c'est vrai qu'on est des adultes, et on papote, on truc. En plus, il y a plein de gens qu'on connaît pas. Et... Enfin, surtout vous. Hein. Non, non, regarde. Hey, franchement. Miel. Pollen, ponte, bon il y a un petit blocage de ponte avec le pollen tellement ça rentre. Et rouge sang. Enfin, elle s'organise. Hein. Je sais pas si elle est marquée celle-là ou pas, mais peu importe. Alors t'étais comme ça toi ou... Bon niveau douceur, écoute. Pas dire que c'est du top niveau, mais putain, mais on tout fait en mal. Ouais, ça rentre, hein, regarde. C'est un cadre qui a été mis à bâtir il y a 15 jours. C'est rentré, c'est tout foutu en mal. C'est pas pendu par contre, hein, tu vois, avec le Mistral de froid. Ils en font presque un cadre, ça partirait tranquille en rive sur un essaim. Que je vais continuer à en faire, non, là, pas ici, puis en plus, niveau sélection, ça se fait pas trop, là, quand même, hein.
c'est pas méchant. Oh ouais, grosse banane. Putain, alors là, c'est blindé de près. Ça, c'est un cadre à dégager, tu vois. C'est un rivage, hein. Si j'avais pas ce problème des frelons, ouais, je diviserais tout en deux en juillet, fin juillet après les récoltes. Mais là, je sens que ça va pas être jouable. Hein. On verra. On verra. Ouais, c'est pas des crèmes, hein, mais enfin bon. Une fois que t'as refermé la caisse, ils te suivent pas sur, jusque sur l'autoroute. Hein. Blindé, blindé de pollen, quoi. Vous mangez ça, là. C'est quoi tout ce pollen, là? Ce serait le moment de mettre des trappes à pollen, là. Piou, piou. Bon, bah écoute, elle blinde de pollen. C'est bon, hein. Voilà, la petite boulette de pollen, hop. Ça va pas traîner longtemps, ça. J'ai mal fait, j'ai pas écarté les cadres pour rentrer. C'est pas bien. Ah, quand même, moi j'ai pollen. Miam miam. Miam miam. Ouais, ça va, c'est pas. C'est pas des foufounes. Tiens, d'or. Bon, allez. Shoot pour une reine 2019. Hein. Faut pas se plaindre. Je fais pas trop de cellules. Fais un peu de miel. Hein. C'est ça l'apiculture de loisirs. À la cool. À la papa, quoi. Tu ferais t'en mettre une autre, toi, de hausse. Ah, comment ça te... Bien relou, hein. T'en mets une ou quoi? T'es chaud? Bon, allez, on en met une, hein, écoute. Même si, bon, voilà, je crois pas qu'elles y aillent trop, hein. Ah, ça fait plaisir de voir des os. Je réfléchis, je te dirai ce que j'ai fait.